À 13 mois, le jeune Huanmen développe tout au long de ses journées sa motricité et son habileté. Sous le regard bienveillant de Huanmen, sa maman, et pour le plus grand plaisir des visiteurs. En fin d'après-midi, les soigneurs font rentrer les pandas dans leur enclos intérieur. Et si Huanmen ne perd pas de temps, Huanmen, lui, n'est jamais très pressé. Il faut alors faire preuve de patience et d'ingéniosité. Et c'est à ce moment-là que la désensibilisation prend tout son sens. La désensibilisation, c'est l'étape qui précède l'entraînement médical. Elle passe par la voix, mais pas seulement. Les soigneurs avaient commencé à la mettre en place il y a déjà quelques mois. Huanmen avait alors 8 mois. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, avancer un bébé panda ? Voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il doit venir jusqu'à la baguette, et quand il arrive à la baguette, il a une petite récompense. Du miel, et il est plutôt bien réceptif, il adore le miel. Au fur et à mesure, Huanmen suivra un véritable entraînement médical. Très bien. Comme ses deux parents, Huanmen et Huanzi. L'enjeu est de taille. Il permet aux vétérinaires de Beauval de pratiquer des actes médicaux sans anesthésie. Et cela est d'autant plus important au moment de la reproduction, où les prises de sang et les échographies sont plus nombreuses. Aussi, l'entraînement médical est mené chaque jour. Et à seulement 13 mois, Huanmen ne se débrouille pas si mal. La gourmandise aide un peu, puisque la récompense, là, c'est petite frite de pomme, et ça marche très bien sur les pandas. Et du coup, ils savent aussi que voilà, ils font un exercice, ils le font bien, ils ont de la pomme. C'est leur récompense. Donc forcément, on joue avec ça, mais sans la confiance, ça ne marche pas. Alors, on va tenter de s'asseoir. Allez, faut que tu bascules tes petites fesses. Ouais, c'est bien ça. Ok, gros, super. C'est bon. Ok, chouchou. Ok, boulot. Super. Dans le prochain œil en coulisses, c'est avec les loups arctiques que nous passerons un moment privilégié.